Bonjour chers tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Camille Colombier, auteure et blogueuse dans les domaines de l'imaginaire. Christian Wolff, c'est un des auteurs préférés de mes enfants. Le livre le plus génial que j'ai jamais lu bricole avec les genres. Ce sont tous des livres qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de vécu. Hein. Mes enfants, ils ont beaucoup lu. Christian Wolff fait des livres, ses projets sont en images-objets, ce qui change un petit peu de l'ordinaire et qui a un côté très très sympathique pour les enfants. Alors, il alterne ses dessins-images avec une histoire, un petit personnage qui a la possibilité d'interagir avec l'histoire derrière, mais qui n'est pas d'accord avec la façon que l'auteur a de raconter une histoire un petit peu délirante d'une pirate qui mange des saucissons en queue de chat. Voilà, le chat n'est pas d'accord non plus. Cette histoire peu crédible, le petit personnage s'insurge, et mais en fait, le petit personnage en question va être pris happé lui-même dans cette histoire qu'on voit qui est étrange, pas finie, avec des erreurs. Et on sent que dans le jeu de l'histoire s'insère le personnage qui prend progressivement de plus en plus de place dans l'histoire pour finalement être intégré et devenir partie prenante de l'histoire. Avec une conclusion, bon, somme toute assez simple, humoristique. Ce petit personnage grognon qui est grognon jusqu'au bout, jusqu'à cette dernière lettre qui s'effondre. Christian Wolff est un auteur à découvrir. Ceux qui ne le connaissent pas doivent absolument se procurer de toute urgence ces livres qui sont absolument géniaux, tous plus géniaux les uns que les autres, mais le livre le plus génial que j'ai jamais lu est probablement de loin le préféré de mes enfants.